Bonsoir. Dans le Conseil régional de la Guadeloupe, le CCEE, c'est-à-dire le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ont le plaisir de vous recevoir ce soir pour une rencontre, un hommage à Guillaume Guillon de Thiers, en présence de deux invités, M. Saint-Cilly et M. Vigne. Et Mme Lucette Vérac est présidente du CCEE. Et sans plus tarder, je lui donne la parole. Ça marche. Bien, merci Marie-Claude. Mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue à cette conférence sur Guillaume Guillon de Thiers, organisée par le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Depuis quelques années, c'est armé de notre volonté de réactiver notre mémoire collective que le CCE a entrepris de valoriser les personnalités guadeloupéennes qui ont marqué leur époque de par leur talent, leur engagement, leur intelligence, voire leur génie stratégique. Cette mise en lumière se fait en deux temps. D'abord, par l'inscription de ces trajectoires remarquables aux commémorations nationales, ensuite, localement, par la tenue de conférences animées par des experts. Parallèlement, l'édition de brochures documentaires vient parachever ces hommages. C'est ainsi qu'a été commémoré en 2013 Raoul Georges Nicolau, brillant scientifique dont les travaux lui ont conféré une envergure nationale et à qui nous devons notamment et plus prosaïquement le principe de la télécommande. En 2015, nous célébrions Camille Mortenol, fils d'un esclave ayant acheté sa liberté. Rappelons que le commandant Mortenol a vaillamment assuré la défense de Paris lors de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de Guillaume Guillon de Thiers, peintre talentueux, reconnu par ses pairs. Pour ce faire, nous avons demandé à Victor Richard Saint-Cilly, artiste visuel, et à Georges Vigne, conservateur d'art, de nous en parler, de nous faire découvrir ou redécouvrir ce Guadeloupéen passionné et engagé. Donc je laisse à Madame Marie-Claude Pernel, membre du CCE, mais aussi femme de lettres et d'art visuel, qui animera notre rencontre, le soin de présenter nos deux conférenciers. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite une bonne conférence. Merci de votre attention. Alors, je vais commencer par M. Vigne, puisqu'il vient d'un peu plus loin, si me permet. Il est conservateur en chef honoraire du patrimoine et conservateur ancien, conservateur du musée d'Ingres à Montauban. Il est un spécialiste d'Ingres. Il est aussi écrivain, Ingres et dessin d'Ingres. Et nous vous remercions de votre présence parmi nous. Monsieur Saint-Cilly, Richard Victor Saint-Cilly Cayol, a été diplômé de l'École des Beaux-Arts à Paris en 1984. Diplômé des arts décoratifs en 87, et il est aussi diplômé de l'histoire de l'art au Sorbonne, et on ne compte plus ses expositions, et se prononce comme artiste visuel, puisqu'il n'est pas un simple peintre, mais il est surtout passionné de Guillaume de Thiers. Et sa passion, je pourrais dire qu'il sait la transmettre, et j'espère qu'il va vous la transmettre ce soir, avec sa première intervention du néoclassisme au pré-romantisme, le tiers, le genou manquant. Merci, bonsoir à tous. Alors, il ne faut pas croire, je le disais tout à l'heure à notre ami Georges Vigne, que je n'ai connu que dans les livres et en photo sur le net, le trac, on l'a tous. Et je vous remercie d'être tous présents. Je vais tenter d'être compendieux. J'avoue qu'il m'a été pénible d'être synthétique, tellement de choses il y a à dire sur cet artiste. Et on me connaît, j'ai souvent la faconde, mais on va essayer d'être, comme je le dis, concis. C'est une passion pour moi de vous parler de Le Thiers. Et en ces lieux ici, des lieux
vous savez, dont vous connaissez la charge et que j'ai eu l'occasion à maintes fois de porter la critique sur un certain nombre de choses. Et puis j'ai voulu, pour le tiers, faire une entorse à mes principes pour porter à la connaissance de ceux qui ne le connaissent pas et à ceux qui le connaissent déjà des informations, en tout cas mon angle de vue. Et je remercie le CCEE d'avoir accepté ce challenge et de nous avoir permis d'avoir ce monsieur qui est fort modeste malgré tout le poids de ce qu'il pèse. Voilà. Nous allons commencer donc tout de suite. Alors, je suis pas très très bon dans la technique, il faut que je change en même temps. Voilà un petit peu ce que nous allons aborder donc ce soir, l'enfance, les origines, le pays, départ pour la France, prix et distinction, le brevet, le retour à Paris, le directorat à Rome, l'institut académique, les honneurs, la démarche artistique, son engagement, et un petit peu le serment. Je vais aborder le serment. Je ne parlerai pas de ces deux grands chefs-d'œuvre, enfin d'un en particulier que je laisserai le soin à Georges Vigne de vous entretenir. Et en conclusion, donc quelques images connues ou moins connues pour montrer un petit peu la portée de son œuvre. Joseph Benoît Suvé, peintre d'origine belge, alors directeur de l'Académie de France à Rome, décède le 9 février 1807. Après un bref intérim assuré par l'architecte Pierre Adrien, Paris, à la tête de la nouvelle Villa Médicis sera confiée à un mulâtre des îles, un bâtard de surcroît, quadragénaire d'humeur joviale, flanqué d'une ribambelle d'enfants qu'il avait eue pour le premier hors mariage, Alexandre, pour les deux suivants, Auguste et Lucien, d'une épouse qui elle-même avait déjà une fille. Fin de citation. C'est en ces termes peu élogieux que François Fossier introduit, vous l'aurez compris, le Guadeloupéen Guillaume le Tiers dans son récent ouvrage intitulé « Les directeurs de la Villa Médicis au XIXe siècle ». Il n'y a aucun doute possible quant aux intentions de cet archiviste paléographe, ancien membre de l'École française de Rome, professeur émérite des universités. Il est à l'origine d'une centaine d'articles et d'une dizaine d'ouvrages ayant trait à l'histoire intellectuelle de la Renaissance et à l'histoire de l'art. Dans cet ouvrage consacré au directorat de Le Tiers, le ton employé et l'ensemble de ses propos d'un acharnement sans égal constituent un nouvel outrage, une ultime discrimination pour le Guadeloupéen jeté aux oubliettes de l'histoire. Aucun auteur, et encore moins les contemporains du peintre, n'ont été aussi méprisants que François Fossier. Cet ouvrage, tel un pamphlet à charge, arrive comme une nouvelle preuve d'une volonté de dénigrement de l'artiste, comme pour justifier qu'il soit maintenu dans l'ombre durant deux siècles. Pourtant, des sommités françaises du monde de l'art, critiques, journalistes, écrivains, historiens, biographes, conservateurs, académiciens, tels que Blanc, Lapoze, Balzac, Vauchelet, Foucard, Cérulaz, ont révélé la grandeur et le talent de ce peintre, même si pour certains d'entre eux, des passages de leurs publications font indéniablement écho avec une résonance paternaliste aux atavismes d'un certain suprématisme. Si des étoiles ont brillé durant le siècle des Lumières, certaines continuent, pour notre plus grand bonheur, à éclairer nos chemins. D'autres ont eu un destin de comète, et parmi ceux-là, quelques-uns, peu nombreux, font une timide réapparition et elliptique. Les deux nous paraissent cependant source de lumière. Alors, était-ce ou non une étoile que peut-être un nuage épais aurait éclipsée ? Guillaume le Tiers, aussi insolite que cela puisse sembler, n'était ni comète ni étoile, mais dans la grande nébuleuse de l'imposture, sans doute brillait-il suffisamment pour que son rayonnement nous atteigne. Ni historien, ni exégète, c'est donc plutôt un regard autrement motivé par la seule passion de l'art,
le seul amour de mon île qui fonde l'intérêt pour moi de cette étude. En quelque sorte, comment et jusqu'où serait-il possible de voir autrement ce travail construit entre autres à partir de traductions que j'ai réalisées sur des textes de l'historien et généalogiste Mario de Valdés, est bien entendu une première approche qui réclame des recherches plus approfondies. Tout au long de mon étude, je me suis inspiré de la démarche de Valdés appuyée sur la biographie de Jean-Auguste Dominique Ingres, réalisée par l'historien d'art allemand, certainement que connaît notre ami Georges Vigne, Hans Naef. En procédant par recoupement avec d'autres sources, dont celle de Vigne, d'auteurs déjà cités, visités par Geneviève Madec-Capi, chercheuse, historienne de l'art, décédée en 2010, et Florent Laballe, le Saint-Annais. J'ai pu nuancer donc et infirmer ou confirmer certaines informations et procéder à des ajustements. Des affirmations mettant en doute les potentialités de cet artiste, parfois relayées en l'état, avec une relative démarche critique par nos deux chercheurs, m'a conduit à une étude comparative de documents d'archives procédant à une fine analyse de certaines des œuvres de Lethière avec celles d'artistes notoires, dont les qualités font l'unanimité chez la plupart des historiens. C'est donc dans une approche herméneutique, comme méthode d'analyse, afin de reconstruire un vouloir-dire, de signifier autre chose, autrement que ce qui est décrit, de ce qui nous est donné à voir que je m'inscris. La rareté des sources historiographiques m'autorise la conjecture afin de tenter d'apporter une lueur malicieuse et en même temps une fugitive manifestation de lueur d'espoir de ce que j'ai appelé le mystère Lethière. Tenter d'apporter une réponse pouvant expliquer les 200 ans d'éclipse de ce peintre, des publications de référence de l'histoire de l'art français, mais aussi des plus courantes d'histoire, de littérature, ainsi que des manuels scolaires est une gageure. Éclipse qui, d'ailleurs, perdure encore. L'extrême pauvreté des références à ce peintre, je le disais, devrait surprendre eu égard au caractère prestigieux de son parcours et à la place qu'il occupait dans l'art de son vivant. Lui qui, incontestablement, a partagé avec David, Ingres et Gros les sommets de la scène artistique classique et néoclassique française. Il n'existe donc aucune raison objective relative au champ de l'expression artistique qui puisse justifier que l'œuvre de Lethière soit soustraite de l'histoire française de l'art, de l'histoire de ses contemporains David et Gros, dont il fut le rival, et Ingres dont il fut l'ami, mais aussi le directeur dans les plus hautes institutions françaises dédiées à l'art. Charles Blanc, ancien membre de l'Académie, directeur des Beaux-Arts, professeur d'esthétique et d'histoire de l'art dans la seconde moitié du XIXe siècle. Même s'il tente une explication discutable, car pouvant s'appliquer à des peintres de second rang qui n'ont pourtant pas été oubliés, il reconnaît ceci. Ce peintre a été pendant 10 ans le directeur de l'Académie de France à Rome. Il a été un des rivaux de David et une des grandes autorités de son temps. Comment aurait-on pu prévoir qu'à peine mort, il serait si complètement oublié? L'exceptionnelle fulgurance de Lethière. L'enfance, les origines, le pays, son statut. Le 10 janvier 1760, en Guadeloupe, alors que l'univers plantationnaire est à sa 116e année de pratique esclavagiste, une Saint-Annaise, Marie-Françoise Pépeille, dite Pépeille ou du Pépaille, j'ai trouvé toutes sortes de noms, esclave affranchie, caucasoïde ou plutôt carteronne, mise au monde un petit mulâtre, répondant au prénom de Guillaume. Son père n'était autre que Pierre Guillon, fonctionnaire colonial des Indes occidentales françaises, procureur du roi dans la colonie de Guadeloupe et notaire royal à Saint-Pierre de la Martinique. Cet ancien planteur créole devenu homme de haut rang ne l'a pas reconnu à sa naissance. Il lui interdira même plus tard de porter le nom Guillon, possiblement plus contraint par son rang, ses titres et ses hautes fonctions que par le code noir. Les sources dont nous disposons ne nous ont pas permis de confirmer ou d'infirmer cette éventualité, si ce ne sont les invariables dans les pratiques de l'époque et toujours d'usage chez la caste béquée. Il demeure pour le moins incertain que le jeune libre passa toute son enfance sans patronyme. C'est aux côtés de sa mère, dans le village de Sainte-Anne, situé au sud-est de la Guadeloupe, qu'il vécut jusqu'à l'âge de 14 ans.
Son père possédait des terres allant du plateau de French au haut de Montmain. L'on peut présumer sans risque de quoi se nourrit l'imaginaire de cet enfant illégitime en ce temps-là et dans ce lieu où se gravaient à dessein les plus sombres destins pour ses proches et certains de ses semblables. Durant sa 14e année, son père, ayant constaté ses prouesses dans le dessin et à force d'insistance de sa part, se décide en juin 1774 à l'embarquer avec lui sur l'Éveillé, un vaisseau de ligne français construit à Brest en 1772. Le navire mouillait dans les eaux de Basse-Terre au départ pour Bordeaux. C'est exactement ce navire que vous voyez ici. J'ai pu trouver cette image et je puis affirmer que cette peinture représente ce bateau-là que le tiers a pris dans la mesure où il y avait deux bateaux du même nom et j'ai pu trouver des traces du deuxième qui, dans sa date de construction, ne pouvait pas être celui-là. Ça peut paraître un détail insignifiant, mais je trouve ça croustillant que d'avoir ce genre de choses. On a si peu de choses sur lui qu'on s'accroche à ce qu'on peut. Donc voilà la preuve, un autre vaisseau de guerre du même nom a été construit en 1751, 1752 et 1752, et dont la fin de carrière fut en 1771. Donc j'ai souligné en couleur l'Éveillé, bon c'est flou, c'est dommage, mais ça m'a permis de savoir que c'était bien le navire de Lethière qui avait été construit à Brest. Voilà. Donc ils accostèrent donc en septembre 1774, dès leur arrivée, ils se rendirent à Rouen, où son père l'inscrit à l'école de dessin de Jean-Baptiste Descamps, au nom de Lethière, Guillaume Lethière. Dans la thèse qui lui est consacrée, Geneviève Madec-Capi avance l'hypothèse que ce fut parce qu'il était son troisième enfant naturel, sans plus de détails. Hypothèse que Charles Blanc avance en précisant que c'est lui-même qui se dota de ce patronyme, activé dans sa tête par l'idée d'être le troisième fils et surtout l'interdiction de porter le nom de son père. Il doit à l'excellente pédagogie de Descamps, homme d'art et de lettres, son engagement dans la peinture, l'ambition qu'il y apporta, l'imagination, la volonté ainsi que la chaleur soutenue dont le trait saillant était l'énergie. Gaëtan Maes, auteur de la réédition de l'ouvrage que vous voyez sur la droite, on a l'original au milieu et à droite l'ouvrage de Descamps, nous précise que Descamps a eu sur l'enseignement de la peinture en général et les connaissances en matière d'histoire de l'art un impact considérable. Elle met en lumière dans cet ouvrage l'originalité de Descamps dans son approche et la manière dont il met à profit ses connaissances linguistiques et artistiques. On peut imaginer sans peine l'apport que ça a eu pour Lethière de rencontrer Descamps. Ceci explique d'ailleurs, entre autres, qu'après seulement 2 années de formation, il obtient en 1776 le prix extraordinaire de dessin pour son Académie Homme Nu, un dessin réalisé à la sanguine. Florent Laballe et Geneviève Capi, associés dans cette aventure d'archéologie et d'histoire de l'art, supposent qu'il aurait suivi des cours de dessin en Guadeloupe. En l'absence d'éléments pouvant corroborer cette hypothèse, pourquoi ne pas envisager tout simplement de réelles dispositions naturelles que les qualités d'une bonne pédagogie n'a eu de mal à renforcer, comme il en a toujours été pour de nombreux jeunes, chez nous et ailleurs, dans diverses disciplines. Alors, serait-ce chez nos compatriotes chercheurs cet inavoué, voire inconscient réflexe post-traumatique des afro-descendants que l'essayiste franco-camerounais Gaston Kellman définit comme étant une résurgence inévitable induite par le passé dramatique que nous connaissons. Gaston Kellman est l'auteur, je précise, en 2003, du best-seller « Je suis noir et je n'aime pas le manioc », dans lequel il dénonce certains préjugés des Blancs, mais aussi des Noirs eux-mêmes envers les Noirs. En 1777, à Paris, dès son entrée dans l'atelier de Gabriel François Doyen, peintre du roi, Louis XVI à l'époque, ses progrès le positionnent comme rival de David, dont il avait approché l'atelier sans jamais s'y inscrire comme élève. Avec des styles différents, ils aborderont plus tard des thèmes antiques similaires comme Horace ou Brutus, deux de leurs chefs-d'œuvre. C'est avec Doyen que ses ambitions grandissent.
Ce maître, plein de feu et d'élan, lui insuffla le goût de la grande échelle. Le tiers travaille avec une dextérité remarquée sur le modèle vivant et excelle dans le paysage. Mention des archives de la Villa Médicis. Il accumule encouragements et médailles dès 1784 avec la Cananéenne au pied de Jésus, que vous voyez ici. Il décroche le second prix de Rome, manquant peu le premier prix. Selon les chroniqueurs de l'époque, le niveau était exceptionnellement élevé. Le premier prix fut décerné à Jean-Germain Drouet, issu d'une longue lignée de peintres et élèves de David, qu'il aidera d'ailleurs à réaliser son fameux serment des Horaces. L'année suivante, en 1785, le jury lui attribue à nouveau le second prix de Rome pour son Horace tue sa sœur Camille. La critique s'en étonne, avançant qu'il méritait le premier prix, qui fut d'ailleurs attribué à un peintre qui n'eut jamais de prix auparavant, Jean-Baptiste Frédéric Desmarets, recalé deux fois de suite au concours depuis 1783, arrivé deuxième, il est crédité premier par on ne sait quelle manœuvre, ce qui provoqua des réactions que d'aucuns qualifièrent de jalousie. Donc, l'œuvre qui apparaît ici, donc, il s'agissait d'une esquisse que le tiers avait présentée. Ici, cette œuvre-là est à Rhode Island. J'ai mis une petite image qu'on voit en flou ici, la résolution n'est pas terrible, mais c'est une conférence que j'ai tenue là-bas à Rhode Island, aux États-Unis, à Providence, pour parler de cette œuvre-là et donner un petit peu plus d'étoffe à leur volonté de valoriser le tiers dans ce musée de là-bas, d'un ailleurs proche de chez nous. Le tiers est gratifié du prix du torse en 1785 pour Académie Torse d'Homme. Un an après le prix, on lui décerne donc, par une prétendue faveur spéciale due à la protection de M. Montmorin, son brevet de pensionnaire à l'Académie de France à Rome. Ne faudrait-il pas plutôt y voir une volonté de réparation ou simplement une juste rétribution au regard de la qualité de ses prouesses face aux plus grands favoris bénéficiant, eux, des avantages que manifestement ses origines ne pouvaient lui offrir? Nous savons ce qu'a enduré Alexandre Dumas, d'origine haïtienne, son ami et père du célèbre auteur Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo, ou encore le chevalier de Saint-Georges, ce Guadeloupéen dit le Mozart noir. Arlette Cérulas, d'ailleurs, dans le livre des commémorations, valide cette hypothèse en écrivant ceci. Premier artiste de couleur à s'être imposé dans le monde de la peinture occidentale, Guillaume Guyon-Lethière, malgré ses origines, a eu une carrière des plus honorables. N'est-ce pas là un aveu que ses origines furent un frein, alors que le véritable frein lui-même, lui faisant obstacle, provenait de l'obscurantisme? En plein siècle des Lumières, est-il besoin de rappeler que nul en France n'ignore que, dans la Guadeloupe qu'il a quittée, le fouet claque encore dans les plantations? Je vous laisse en juger. Il résidera donc au palais Mancini, qu'on voit ici, sous le directorat de François-Guillaume Ménageau, de 1786 à 1791, où il fera de brillantes études. Ses années romaines seront marquées par des réminiscences liées à ses origines, des paysages escarpés d'Italie, le Vésuve, la proximité de la mer, les collines, le climat tempéré et ventilé, lui rappelant certainement son insularité. Il traitera l'histoire et le paysage avec supériorité, et l'anatomie et l'architecture en artiste habile. Lors d'un envoi de Rome, comme cela se faisait de façon traditionnelle, à propos de l'esquisse qu'il présenta de son Brutus condamnant ses fils à mort pour avoir conspiré contre la patrie, Ménageau s'émerveilla, je le cite, « Il y a beaucoup de génie, d'expression et de caractère dans ce dessin qui est l'un d'un excellent style et qui transporte au temps de l'événement. » Plus tard, nous verrons deux versions de cette toile, dont une a fait l'objet d'une acquisition le 22 mai dernier par Clark Museum Institute, USA, ainsi que deux esquisses du même sujet à la plume et encre brune. De retour à Paris, il ouvre son atelier près de l'église Saint-Germain-des-Prés, au 9 rue de l'Achille-de-Berre. Il y formera de nombreux élèves tout en participant de temps à autre à l'exposition des fameux salons de Paris,
aux expositions des fameux salons de Paris de 1793 à 1831. Le tiers doit sa reconnaissance publique à Philoctète dans l'île de Lemnos. Au salon de 1798, cette œuvre s'est distinguée par un prix d'encouragement. Le tiers est remarqué par Lucien Bonaparte, avec qui il construira une amitié durable. Ce dernier sera d'ailleurs plus tard le parrain de son fils Lucien, Guillaume Le Tiers, né le 17 novembre 1802. En 1799, son père décide de le reconnaître, probablement motivé par la fulgurante ascension contribuant à sa notoriété de peintre ou encore à la promulgation de la première abolition de l'esclavage votée par la Convention en 1794. Parce que, rappelons-nous, le Code noir l'interdisait et d'autres motifs qu'on peut imaginer. En 1801, il accompagne donc Lucien Bonaparte à Madrid, nouvellement nommé ambassadeur en Espagne. Il lui confia la charge de constituer la collection française d'œuvres de grands maîtres espagnols. On lui doit le choix de plusieurs œuvres, Murillo et même de Ribera. Ce sont des noms de peintres, pour ceux qui ne connaissent pas. De retour d'Espagne, il se consacra de nouveau à son atelier, ce cénacle que des élèves avaient baptisé l'Achille de Berre à Paris. Deux écoles régnaient sans partage à cette époque, celle de David, fidèle au classicisme des maîtres antiques, celle de Le Tiers, plus troubadour et déjà un peu révolutionnaire dans les idées et dans l'art. Le Tiers multipliait les échanges artistiques et littéraires au cours des voyages dans, dans les capitales d'Europe. Son directorat à Rome. En novembre 1807, cinq ans après le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe par Napoléon Bonaparte, paradoxe ou ironie du sort pour ce descendant d'esclaves, il est nommé directeur de l'Académie royale par le ministre de l'Intérieur Emmanuel Crété. Son directorat durera 10 ans, durant lesquels il peindra entre autres son Brutus, dont les esquisses étaient exposées déjà au salon de 1795, 1798 et 1801. Il a pratiquement bâti sa carrière sur cette œuvre qu'il présenta sous différentes formes. À propos de la version de 1788, acquise par le Clark Institute, Olivier Mesley, directeur de Hardimon chez Clark, déclare « Brutus condamnant ses fils à mort est important à la fois pour son exécution magistrale et pour sa place dans le canon de l'histoire du monde de l'art. C'est une peinture iconique et prophétique qui a touché le public français à un moment où le rôle de l'histoire dans la compréhension et l'interprétation des questions contemporaines n'était peut-être jamais plus instructif ni plus impératif. Esther Bell, conservatrice en chef Clark Institute, déclare « L'importance de cette peinture ne saurait être surestimée. C'est une icône de la peinture de l'histoire française. Comme son contemporain Jacques-Louis David, Le Tiers a joué un rôle essentiel dans la promotion des principes artistiques des Lumières. » Fin de citation. Le chercheur réputé Henri Louis Gate, professeur à l'université Alphonse Fletcher et directeur du Centre Hutchin pour la recherche africaine et afro-américaine à l'université Harvard, déclare « J'ai été ravi d'apprendre que Clark avait acquis un important tableau de Guillaume Le Tiers qui est largement reconnu comme le premier artiste français majeur d'ascendance africaine. » Gate a publié « The Image of the Black in Western Art » Harvard University Press, et l'Institut de recherche du Centre Hutchin pour la recherche africaine et afro-américaine. Le chef-d'œuvre achevé en 1811 sera exposé au Salon de 1812 et à Londres en 1817. Acquis en 1819 par le comte Forbin, directeur général des musées royaux, il prend place au Louvre. Je ne vais pas en dire plus, puisqu'on va en découvrir avec notre ami Georges Vigne. Les choix artistiques de Le Tiers et ses techniques feront ensuite de lui le propagandiste officiel de la Révolution. Il peint La patrie en danger en 1799, proclamé plus tard chef-d'œuvre du musée de la Révolution française. Dans ce contexte historique tendu, il sera décoré en 1814 de l'ordre de la Réunion par le général Miollis, gouverneur général à Rome. De retour en France en 1816, chute de l'Empire, il est élu à l'Institut. Le roi Louis XVIII refuse de ratifier son élection. Ses idées républicaines et sa mulâtritude en seraient la cause, question, non sans rappeler probablement le sort du Guadeloupéen, le chevalier de Saint-Georges, je le mentionnais tout à l'heure, qui s'est vu
un peu plus tôt refusé la direction de l'opéra. Pourtant Mozart noir. En 1818, il est à nouveau élu. Il reçoit la croix de la Légion d'honneur. En 1819, il est nommé professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris. Son buste en bronze siège encore dans la bibliothèque de l'institution. Je vous avoue que j'ai fait toutes mes années aux Beaux-Arts en passant devant ce buste régulièrement dans la bibliothèque de cet établissement où j'ai appris les fondamentaux de l'art sans jamais savoir qu'il s'agissait d'un Guadeloupéen saint-année comme moi-même. Je crois que ça aurait changé ma vie si je l'avais su. En 1822, l'immeuble abritant son école est mis en vente. Guillaume Guillon-Lethière obtient du ministère de l'Intérieur l'autorisation de poursuivre son enseignement au sein de l'Institut où il a ses appartements. C'est d'ailleurs cette année-là et en ces lieux, dans un contexte de mouvement idéologique abolitionniste et de rébellion dans les colonies, qu'il peint son œuvre la plus subversive, la plus politique, Le Serment des Ancêtres. La seule œuvre où il renseigne ses origines et la date de naissance. Et sa date de naissance, il signe Guillaume Guillon-Lethière, né à la Guadeloupe en 1760. Un message pour la postérité, s'accorde-t-on à dire, mais surtout un hommage aux valeureux insurgés d'Haïti, comme pour dire « Je suis des vôtres ». Nous y reviendrons plus tard. Contrairement à ce qui est diffusé, ce n'est pas la seule œuvre où il met en scène des hommes de couleur. J'ai fouiné, j'ai cherché, j'en ai trouvé. En 1807, en effet, à peine avait-il entamé son directorat à Rome, il rendit hommage dans une œuvre magistrale à Saint-Benoît de Palerme, surnommé le Mort, à cause de la couleur noire de sa peau, à l'occasion de sa canonisation. Malheureusement, je n'ai pas cette image à vous présenter, puisqu'on ne la trouve pas sur les réseaux, on ne la trouve pas, il faut poursuivre les recherches. Déjà en 1799, dans La Patrie en danger, la présence subtile d'hommes de couleur, noirs et mulâtres, apparaît comme une volonté de représenter les colonies françaises et par là même symboliser l'abolition de l'esclavage voulue et décrétée par la Convention, 4 février 1794, le 16 pluvieuse en deux. Ne serait-ce pas, dans ce cas précis, une prise de position idéologique? Jamais des critiques n'ont abordé la question de la présence de ces hommes de couleur dans son œuvre, puisque partout on prétend que sa seule œuvre où des Noirs apparaissent sont le Serment. Lethière terminera sa vie dans la souffrance marquée par la mort de plusieurs de ses enfants, petits-enfants. Il décède le 21 avril 1832 au 3 rue Mazarine, à l'Institut des Beaux-Arts où il résidait. Monsieur Debré, président de l'Académie des Beaux-Arts, ainsi que Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires, je disais tout à l'heure, prononce un élogieux discours sur sa tombe au cimetière de Montmartre. Alors, il ne faut pas confondre Alexandre Dumas, dont je parlais, qui a été son modèle sur pas mal d'œuvres, et son fils, qui était l'auteur, justement, de ces ouvrages que j'ai cités, le Comte de Monte Cristo, les Trois Mousquetaires. Et c'est justement le fils qui était présent pour lui rendre hommage. Donc, ma conclusion, et après quelques mots sur le serment, je pense qu'il y a des choses à dire sur ce serment. Le parcours et l'œuvre de Lethière nous amènent à le positionner davantage vers la fin du néoclassicisme et la porte du romantisme. Je prends des risques, à côté d'une grande sommité de l'histoire de l'art. Comme David et Ingres, Lethière fut, par le choix de ses thèmes ainsi que la primauté accordée à la ligne, un peintre néoclassique dont les fondamentaux se résumeraient à l'admiration portée à la République romaine et au canon grec par la primauté accordée aux symboles et aux formes issues de l'art antique. En deuxième lecture, il fut indubitablement, dans l'esprit, le tempérament, les valeurs qu'il portait, un des maillons assurant la transition du néoclassicisme au pré-romantisme et par conséquent une référence pour certains jeunes peintres, ses élèves, dont il a très probablement insufflé des préceptes. Une étude de ses œuvres, notamment Brutus condamnant ses fils à mort, on va en avoir tout à l'heure, Horace tue sa sœur Camille, La Patrie en danger, même La mort de Virginie, esquissée et présentée en 1795,
peintes en 1828, exposées en 1831, viennent alimenter cette hypothèse par des détails croustillants. Le format d'aujourd'hui ne permet pas de rentrer dans ces détails, mais j'ai espoir de jeunes qui sont au Louvre ou ailleurs en formation feront ce qu'il faut pour révéler au monde les qualités de son travail. Plus significatives sont les études comparatives réalisées sur plusieurs de ses peintures avec celles de David, d'Ingres, de Delacroix, de Géricault, de Goya. L'angle révolutionnaire qu'il aborde dans ses œuvres, dont le caractère subversif se lit dans son approche des sujets brûlants de l'actualité, sa technique picturale, son traitement de la matière et l'éclat de ses couleurs, contrairement à ce qui a été dit, du paysage, des libertés qu'il s'accorde dans le traitement de l'atmosphère, de ces paysages dédrapés, libérés du souci du détail, des détails qui étaient, je dirais, indispensables dans le dessin, valeur transmise par l'académisme des beaux-arts. On peut observer sur ses derniers travaux tous ces éléments qui concourent à le positionner pour moi, selon ma perception, cela n'engage que moi, à la sortie du néoclassicisme. De ses élèves, outre le célèbre Théodore Rousseau de l'école Barbizon, ou le pointois Jean-Baptiste Gibert, décédé malheureusement trop tôt, il fut un premier prix de Rome. De nombreux prix de Rome, premiers prix de Rome, sont sortis chez Lethière. Il faut surtout retenir le romantique Louis Boulanger, mais aussi Eugène François-Marie-Joseph Deveria, qui sont les deux principaux représentants du mouvement romantique en peinture aux côtés de Eugène Delacroix. Théophile Gautier, d'ailleurs, dans sa rédaction de l'histoire du romantisme maudit de Deveria, il avait seulement 22 ans à peine lorsqu'il apparut l'un des plus beaux espoirs du romantisme naissant. Eh bien, ce gamin-là, à 22 ans, je dis gamin parce que je suis un vieux, ben, il était chez Lethière. Voilà. On en est fiers quand même. En réalisant cette œuvre, on peut supposer que Lethière avait une triple intention. On vient sur le serment et j'en ai fini. La principale liée à son esprit républicain, son attachement aux valeurs de la justice, et de liberté. Cette œuvre est l'expression de ce qui fonde la pensée républicaine, héritage de la Révolution de 1789. Liberté, égalité, fraternité, selon Gérard Alexis, peintre et historien de l'art des Caraïbes. Lethière aurait voulu illustrer un mythe réparateur de la fin à la fois légendaire, tragique et humiliante qui fut réservée à Toussaint Louverture. De plus, en tant qu'ami du général Alexandre Dumas, il connaissait ses mésaventures liées à ses origines haïtiennes, fils lui-même de femme noire que son teint trahissait. Il a essuyé de blessantes et récurrentes attaques en révélant dans une œuvre d'envergure la grandeur, le courage, le mérite des siens à travers ces deux géants qui ont arraché victorieusement l'indépendance de leur pays. C'est un message personnel qu'il transmet aux générations futures. Plus généralement, sachant que l'iconographie noire de l'époque était rarement valorisante, en représentant ces héros dans leur uniforme d'officier de haut rang, Lethière fait œuvre de réparation d'injustice. La seconde s'adresse à la postérité. C'est l'expression de son appartenance à une communauté d'hommes en lien avec les événements qui secouent les colonies. Par ce thème, honorant les valeureux insurgés, les rebelles, le peuple d'Haïti, c'est sa part de négritude qu'il exprime. En signant cette toile, la seule où il représente des afro-descendants, ce qui a été dit, je suis en train de citer ce qui le disait, avec la mention de ses origines et son année de naissance, né à la Guadeloupe en 1760, il a voulu faire savoir à la postérité que l'un des leurs avait fait ce tableau en hommage à la nation haïtienne qui venait de conquérir son indépendance. Je cite Geneviève Capi et Florent Laballe. La troisième s'apparente à un soutien de l'acte révolutionnaire de ses frères et sœurs rebelles de Guadeloupe. Je m'y risque. Lethière ne pouvant ignorer leur sacrifice, il semble difficile de ne pas y voir une intention de saluer l'engagement et l'audace des Delgrès, Ignace, Rosemart, Solitude, Massotto, Palerme, Kiwan et tant d'autres qui courageusement ont préféré mourir libres plutôt que de vivre enchaînés. Son allégorie romantique est le traitement d'une réalité, son actualité qui lui a forcément rappelé qui était sa mère.
des deux inscriptions sur la stèle à travers le célèbre Vivre libre ou mourir de Delgrès, nous serions tentés d'y voir un adressage à la mémoire des martyrs de Guadeloupe, ses proches. Je me suis un petit peu renseigné sur l'histoire et à cette période-là, il y a eu, s'il y a des historiens dans la salle, ils pourront le préciser en termes de date, deux voyages de Delgrès vers la France. Pas des voyages de vacanciers. Le tiers, l'antiquisant, c'est un questionnement, pouvait-il amorcer un certain préromantisme? En quoi le serment des ancêtres pourrait-il nous éclairer sur ce postulat? Bien que néoclassique dans ses compositions allégoriques, le tiers est d'un esprit résolument moderne, annonçant le romantisme. Même si la référence allégorique est antique, l'intention d'une transcription révolutionnaire républicaine est ici fortement exprimée. Aussi insolite que cela puisse paraître, autant que sa disparition dans les références de l'histoire de l'art, le caractère précurseur de Le Tiers trouve son sens dans son parcours et à l'étude de ses œuvres. La paucité des ressources historiographiques sur ce peintre rend nécessaire l'approche herméneutique. L'historien allemand Hans Neif, je l'ai dit tout à l'heure, qui m'a servi un petit peu de référence, dans une biographie consacrée à Ingres, en 5 volumes, Le Tiers créait ses propres allégories chargées de symboles politiques sur des questions de rapport entre l'État et les citoyens. Fin de citation. C'est en mettant en regard les œuvres de Le Tiers avec celles de peintres romantiques que l'on peut se risquer à la démonstration de cette influence. L'esquisse de l'œuvre Horatius sa sœur Camille, exposée au Salon de 1785, présentait, selon la critique de l'époque, toutes les caractéristiques d'une œuvre moderne, révolutionnaire, avec une liberté dans le dessin, les touches et dans la couleur, qui rappellent sans conteste que le romantisme de Lacroix et de Géricault, qui iront bien sûr plus loin, avec plus d'audace, la liberté du traitement que l'on retrouve dans le serment. Mais ce qui classe véritablement cette œuvre dans un registre pré-romantique, c'est cette distanciation prise avec le passé antique pour traiter un fait d'actualité. L'une des singularités propres au romantisme, comme Goya avec Dos Mayo en 1814, montrant le début du soulèvement des Espagnols contre les troupes d'occupation napoléoniennes en 1808, ou Géricault avec le naufrage de la Méduse en 1817. L'événement fait scandale d'ailleurs, ou encore Delacroix qui peint la liberté guidant le peuple en 1830, au lendemain de la Révolution. Le tiers avec le serment est en plein traitement de son histoire contemporaine. Il l'avait déjà fait avec La patrie en danger. Même si la facture est classique, néoclassique. Cette œuvre qui, bien que construite sur ses règles, sur ses fondamentaux classiques, tout comme le massacre de Chio, la mort de Sardanapale ou encore la liberté guidant le peuple de Delacroix, traite de faits complètement d'actualité, obligeant l'artiste à des transgressions de forme. Ce fut le cas pour Delacroix avec la mort de Sardanapale. Le personnage principal est inactif. Cela fait ressortir par contraste le désordre et l'animation autour de lui. On retrouve cette idée que l'histoire échappe à ses acteurs comme elle échappe dorénavant aux règles de composition classique. La temporalité de l'actualité qu'il traite renverse complètement les attendus de la peinture d'histoire, comme les romantiques qui se rangent du côté des modernes par opposition aux classiques qui se rangent du côté des anciens. On pourrait affirmer que Le Tiers introduit déjà l'état d'esprit révolutionnaire du fait de cette interprétation innovante chez les romantiques de leur actualité féconde. J'en ai fini et vous montre quelques images de Le Tiers. Ce sont des dessins ici et quelques esquisses de grandes œuvres. Désolé pour la qualité, on a du mal à trouver des références en haute résolution. Lorsqu'il sera plus célèbre mondialement, on aura ce qu'il faut. J'aime beaucoup cette œuvre, Le Jugement de Paris. Vous savez, tout en étant un artiste du XXIe siècle, pourtant ayant une pratique qui n'a rien à voir avec cet académisme et ce classicisme, ce néoclassicisme, je suis très fortement sensible à ce type de travail. Et je trouve qu'il y a énormément de qualité, surtout lorsqu'on se projette dans cette époque. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un dessin au musée de Montauban, probablement donné par Guyon Le Tiers. Certainement, on peut l'envisager.
Alors voilà une œuvre qui, très rapidement, toujours de Le Thiers, hein, ces deux œuvres, Joséphine à gauche et ici, femme appuyée sur un portefeuille, une œuvre qui a fait débat aux États-Unis parce qu'on voulait l'attribuer à Ingres. On voulait l'attribuer à Ingres tout simplement parce qu'ils ont trouvé qu'au niveau de la pose, ça rappelait un petit peu Madame Récamier de David, dont Ingres a contribué à la réalisation. C'est cet argument qui est donné, mais bon. Que c'est un tableau de salon. Ben voilà, on est d'accord. Et voilà la mort de Caton d'Utique, qui pour moi est un pendant de la mort de Marat, je dirais. Ils ont travaillé les mêmes thèmes, pratiquement les mêmes sujets, ou en tout cas, ils avaient la même préoccupation, puisqu'ils étaient du même siècle, de la même époque, ils étaient contemporains, David et lui. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se soit pas produit de cette manière. Je vous remercie de votre attention. Merci Richard Saint-Sylvie. Ça a été pour lui, je pense, un exercice très difficile d'être aussi synthétique. Et je tiens à ce que vous l'applaudissiez encore une fois parce qu'en réalité, il est capable de parler de Monsieur Le Thiers pendant au moins 3 heures sans s'arrêter. Et vous avez eu un peu l'économie de nombreuses anecdotes parce qu'il a dû aller relativement vite. Et l'homme est riche parce qu'il est au carrefour à la fois de l'évolution de l'art plastique, mais aussi de la Révolution française, mais surtout aussi de notre histoire. Donc il y a beaucoup encore à dire et je peux vous assurer qu'il il pourrait nous gratifier encore de nombreuses anecdotes. Monsieur Georges Vigne va nous inviter à une comparaison de deux tableaux pour qu'on puisse mesurer la rivalité entre David et Le Thiers. Brutus contre Brutus, Guillaume Le Thiers a-t-il défié Jacques-Louis David ? Bien, d'abord, je voudrais remercier le Conseil régional et le CCE d'avoir osé m'inviter jusqu'ici pour vous parler de Guillaume Le Thiers et de David. J'espère que vous n'allez pas le regretter. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je ne suis pas un spécialiste de Guillaume Le Thiers, je suis un spécialiste d'Ingres. Et notre ami vous l'a rappelé, Guillaume Le Thiers et Ingres se sont connus, ils se sont connus à la Villa Médicis. Alors que Ingres n'était déjà plus pensionnaire, mais Guillaume Le Thiers était directeur de la Villa Médicis quand Ingres habitait toujours Rome. Il a vécu après son directorat de 1810 à 1820 dans une petite rue près de la Villa Médicis, la Via Gregoriana, et il fréquentait très régulièrement la villa. Et là, vous avez quelques dessins d'Ingres qui sont des portraits de Guillaume Le Thiers, de sa femme en tant qu'épouse du directeur. Et ici, vous avez Alexandre Le Thiers, donc son premier fils, avec sa femme et sa petite fille qui est en train de rire. Et vous voyez que le dessin est daté de 1809. Le rapport donc de Guillaume Le Thiers à Ingres était très certainement un rapport paternel et filial de part et d'autre. Justement, le don d'un dessin pour le jugement de Paris à Ingres est très certainement un don amical et paternel. C'est comme ça que j'ai croisé pour la première fois la destinée de Guillaume Le Thiers. Et en fait, beaucoup plus récemment, je me suis intéressé au Brutus de David. Et en voulant préparer une communication pour ce soir, je me suis dit, mais Guillaume Le Thiers, il a fait aussi un Brutus. Serait-ce le même Brutus, la même histoire? Alors, il ne s'agit pas du Brutus qui a assassiné Jules César. Hein. C'est un consul romain très obscur du temps de la République. Et en
fait, l'histoire est assez simple. Brutus fait condamner ses fils à mort parce qu'ils avaient voulu s'allier aux Tarquins, qui étaient des rivaux des Romains, pour rétablir la monarchie à Rome, car nous étions dans la seconde période de l'histoire de Rome, c'est-à-dire la République. Voilà. Alors, Guyon le Tiers, oui, pardon, a permis à Ingres de réaliser ce grand tableau, les Clés de Saint-Pierre, qui se trouve aujourd'hui à Montauban, mais qui était destiné à la Trinité des Monts, qui était l'église paroissiale dont dépendait la Villa Médicis. Donc, grâce à Guyon le Tiers, Ingres a pu obtenir sa première grande commande du régime de la Restauration. Donc, David, première image, c'est simplement des rappels hein, pour vous dire qu'il est l'auteur de la mort de Marat. Bon, ça n'est pas l'original qui se trouve à Bruxelles, mais la copie ou la réplique qui se trouve au Louvre, mais c'est pour vous rappeler qu'en 1793, David est très impliqué dans la Révolution française, et il fait, évidemment, en 1807, le sacre de Napoléon, qui est un immense tableau de 9 mètres de large. David a été, évidemment, un homme très important pendant la Révolution et pendant l'Empire, mais il a été également important pendant le règne de Louis XVI, puisqu'il est non pas l'inventeur, mais le propagateur et le premier génie du néoclassicisme, puisqu'il présente évidemment le Serment des Horaces en 1785, qui est une commande de Louis XVI, et il va faire une sorte de pendant, mais ça n'est pas un pendant, parce que les tableaux ne sont pas exactement de la même dimension. La diapo suivante, les lecteurs rapportant à Brutus les corps de ses fils. C'est un tableau, donc les deux tableaux sont des commandes royales et sont censés représenter des moments de, on va dire, de moralité politique. Le Serment des Horaces, c'est évident, ce sont évidemment l'alliance des fils des Horaces qui, pour sauver la patrie. Ici, nous avons donc Brutus, consul romain, qui sacrifie ses fils qui ont en fait trahi la patrie. Mais l'épisode est très rare. On en a 2-3 exemples vraiment rarissimes et de peu d'importance au XVIIIe siècle. Mais c'est surtout l'objet d'une tragédie de Brutus par Voltaire. Voltaire a commis, parce que je l'ai relu pour vous, la tragédie de 1730, et c'est l'une des plus mauvaises tragédies de Voltaire. Alors, il n'y a évidemment pas de référence, de lien entre le Voltaire de 1730 et le David de 1789, étant donné qu'il y a quand même 50 ans d'écart, et que dans la tragédie de Voltaire, ben, il n'y a pas les femmes, la femme et les filles de Brutus, et qu'il n'y a qu'un seul, des fils qui est sacrifié. Donc, il n'y a pas de relation iconographique entre le tableau de David et la tragédie de Voltaire. C'est un tableau très paradoxal, dans le sens où Brutus est dans l'ombre à gauche, au premier plan, et il donne toute la lumière aux femmes. Sont-elles des femmes d'une grande vertu politique? Ce sont quand même des femmes qui gémissent, qui pleurent, qui s'arrachent les vêtements, et qui, en gros, font beaucoup de bruit. Bon, c'est vrai, hein, le moment est dramatique, elles perdent leur fils, elles perdent leur frère. Mais en tout cas, on aurait aimé, dans ce moment pré-révolutionnaire, le tableau est exposé au moment de la prise de la Bastille. Hein. Donc, nous ne sommes pas du tout dans la République de la Révolution. Nous sommes encore sous le règne de Louis XVI. Louis XVI a quand même accepté la réalisation de ce tableau, qui est quand même une critique de la royauté aux portes de l'abîme. Hein. Mais les philosophes des Lumières avaient déjà introduit l'idée non pas forcément d'un changement de régime, mais avait fait quand même l'apologie de la République, notamment de la République antique. Et
ce tableau, donc, qui se veut vertueux, est exposé au salon où il est très admiré. C'est un des chefs-d'œuvre de David. Or, en 1795, diapo suivante, apparaît la grande esquisse, elle fait 1 mètre de large, achetée donc très récemment par le musée de Williamstown, et qui est une des deux œuvres exposées par Guyon Lethière en 1795, l'autre tableau étant Herminie chez les bergers, que le musée de Dallas a acheté il y a quelques années. Il présente donc à droite, sur le trône, Brutus, qui tend le bras pour dire aux exécuteurs de sacrifier le deuxième fils, puisque le premier est déjà décapité, et qu'un bourreau tend sa tête vers le peuple. Vous remarquez que dans ce tableau, il n'y a pas de femme, et que cette tête coupée nous évoque très clairement la guillotine. Guyon Lethière fait un tableau qui est dirigé contre les contre-révolutionnaires, et en disant que la terreur qui vient de s'achever a fait son œuvre en tuant tous les ennemis de la République. C'est un tableau très dramatique et qui a en plus une inclinaison très, très intéressante vers la droite, un peu comme la forme du couperet de la guillotine, espèce d'oblique implacable. Et on n'a ici aucun pathos, aucun lien, la fermeté, l'exigence, tuez-les, tuez-les, tuez-les. Diapo suivante, c'est le dessin que le musée de Williamstown a acquis en même temps que le tableau, et qui montre donc la scène d'une façon presque plus limpide, où vous avez donc le premier fils qui a été décapité, le deuxième fils qui s'apprête à être exécuté. Toujours cette espèce d'oblique. Le peintre va supprimer les suppliants du rez-de-chaussée à gauche, parce qu'il va les trouver très inutiles. En même temps, diapo suivante, le musée a eu la gravure qui a été tirée quelques années plus tard du tableau et qui montre une composition très à la fois beaucoup plus limpide, évidemment, en noir et blanc, toutes les lignes principales du tableau sont révélées. Alors, se pose la question, évidemment, de pourquoi Guyon Lethière fait un tableau sur Brutus, 6 ans après David. Il existe un dessin, je crois que c'est la diapo suivante, un dessin qui se trouve au Louvre et qui est attribué à Guyon Lethière et qui pourrait être en rapport avec une esquisse qu'il présente au salon de 1801 avec une très étrange, commentaire. En effet, l'artiste parle d'une esquisse qu'il présente, Brutus condamnant ses fils à mort, comme ayant été réalisée en 1783 à Rome, c'est-à-dire 6 ans avant David. Sauf que Guyon Lethière n'est pas arrivé à Rome avant la fin de 1786. Donc, l'information est fausse. Alors, elle est fausse parce qu'il ne s'est pas souvenu de la date. Ingres a fait la même chose, Ingres était totalement dyslexique, il datait ses tableaux carrément, hein, avec des dates totalement idiotes. Mais, à mon avis, il ne s'est peut-être pas trompé sur le lieu de l'exécution de son esquisse, donc à Rome, donc avant David. Mais en même temps, c'est peut-être un mensonge qui lui permettait de dire « c'est moi le premier ». C'est moi qui ai fait un Brutus, avant toi, l'idiot qui fait des femmes qui pleurent, alors que moi je fais des hommes virils qui les ont tués, coupez-leur la tête. Alors vous voyez, ce dessin est
très certainement antérieure à la composition du Salon de 95, parce qu'elle est abusivement dramatique. On a une tête coupée, alors on a l'impression d'avoir une boule de pétanque hein, à gauche. Et puis le deuxième fils, alors lui, il est battu à mort. Enfin, c'est épouvantable. Je ne vous raconte que des choses épouvantables ce soir. Donc il y a, dans l'affirmation en 1801, que l'esquisse a été peinte à Rome, une sorte d'opposition à David en disant « Je suis plus malin que toi, je suis plus fort que toi, et c'est moi l'inventeur de ce thème, je vous rappelle, qui est un thème rarissime en peinture. » 1800, il faut que probablement les deux artistes étaient au courant de ce qui se passait, tant à Paris qu'à Rome, de ce que faisait l'autre, et parce que le tableau de David se fait en même temps probablement que l'esquisse de Guyon le Tiers, et alors ils sont là comme ça en train de se dire hein, et qu'est-ce qu'il va faire. Ben, évidemment ils ont pas internet, donc ils ne peuvent pas avoir les images, mais ils savent que l'un travaille sur un Brutus et l'autre travaille sur un autre Brutus, et qu'est-ce que c'est. Donc se pose la question de savoir s'ils étaient en concurrence, en compétition, en jalousie, et évidemment ils étaient concurrents d'autant plus que, comme vous l'avez rappelé, Guyon le Tiers a fréquenté l'atelier de David, même s'il n'était pas élève de David. Donc ça n'était pas des ennemis à première vue. Mais il avait peut-être envie d'être présenté comme une sorte de leader du néoclassicisme, car on est en plein dans le néoclassicisme. En 1812, image suivante, il réalise le grand tableau définitif qui est au Louvre. Tableau de 7,50 m, indéplaçable presque. Pour vous donner une idée, c'est un tableau qui doit faire 500 kg, hein, avec son châssis et son cadre, bien sûr. Donc intransportable et surtout exposé en hauteur, c'est-à-dire on ne voit pas grand-chose. Mais il a une particularité, donc 1700, en théorie, hein, 1780, on va dire 86, la première esquisse, 1812, le tableau définitif. Ça fait quand même pas mal de temps consacré à ce thème très sanglant, voire sanguinolent, mais Guyon le Tiers a eu la maintes occasions de répéter plusieurs fois les mêmes tableaux et de multiplier les esquisses, les dessins. C'est en gros comme ça que travaillaient tous les artistes. On fait une esquisse, on agrandit. Un graffait par exemple 7 fois Paolo et Francesca. Il a fait 4 fois Oedipe et le Sphinx. Donc ça n'est pas une particularité. Mais ici, nous avons un détail iconographique qui est très important. C'est que la tête coupée n'est plus montrée au peuple. On est en 1812, il n'y a plus de raison de montrer une tête de contre-révolutionnaire brandie en direction du peuple. Donc, elle est cachée dans un sac. Mais le caractère implacable de l'ordre reste, c'est-à-dire que les traîtres à la patrie doivent malgré tout mourir. C'est évidemment un tableau qui est très, très impressionnant et qui mériterait d'être placé à côté du tableau de David. Mais on va peut-être revenir au David, car le tableau de Guyon le Tiers, oui, on vous montre une autre mort, parce que c'est quand même un spécialiste des morts violentes, hein, la mort de Virginie, qu'il ne présente qu'au salon de 1831, ça c'est une des nombreuses esquisses pour ce tableau. C'est un peu le pendant du Brutus, la mort de Virginie, qui est sacrifiée. Alors je ne sais plus pour quelle raison, mais enfin, c'est très certainement parce que on va mal la marier ou quelque chose comme ça, et on préfère la tuer plutôt que de l'avoir mal mariée. Donc œuvre suivante, on revient à notre David. Qu'est-ce que nous apprend Guyon le Tiers? Et ça, c'est, voyez, je teste sur vous, si on peut dire, vous êtes des testeurs, vous êtes mes hamsters, sur des histoires que je veux raconter sur des tableaux qui ont
des choses à nous dire par leur iconographie, par certains détails qui sont très étranges, car on nous dit depuis 40 ans que c'est un tableau moral, mais où est la moralité quand on voit que le personnage principal est dans l'ombre, qu'il se tient la tête comme s'il était pris de remords? Il n'a pas, et ça c'est Guyon Le Tiers qui nous l'apprend, Brutus n'assiste pas chez David au supplice de ses fils. C'est un pleutre, c'est un lâche. Il donne l'ordre, mais il n'assiste pas au supplice. Il est là avec sa famille dans une cour, car ce n'est pas un atrium, c'est une très vaste cour. Et il y a plusieurs... la lumière est ici admirable. Il y a trois voire quatre sources de lumière qui sont toutes destinées à éclairer les femmes. Et ce sont justement ces femmes qui sont les personnages principaux de ce tableau, où David réalise une extraordinaire nature morte sur la table. La table est en extérieur, on met des meubles, évidemment. La notion de l'archéologie au temps de David est à mourir de rire, parce qu'on ne met pas dans une cour une table, des chaises, rien. En Italie, il pleut souvent même, et on ne met pas de meubles à demeure comme ça dans une cour. Mais ces femmes donc expriment leur douleur, mais elles n'ont absolument aucune attitude de ce qu'on appelle la vertu, et qu'on nous présente depuis 40 ans comme étant le caractère principal de ce tableau. Ces femmes ne sont pas vertueuses, elles sont désespérées, elles sont gesticulantes, elles sont évidemment dans le désespoir, mais elles ne sont pas vertueuses. La vertu impose un certain stoïcisme. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez le regard du licteur qui porte le brancard et qui regarde la mère d'une façon très, très dure, très sévère, en disant « Femme, taisez-vous !» Et il a d'ailleurs il y a une chose qui est vraiment très belle dans ce tableau, c'est l'ombre de sa main sur la colonne. Vous voyez à gauche de la chaise, vous avez une ombre, et on voit le doigt pointé vers la femme, comme ça, tu vas te taire, vilaine. Voilà. Donc le tableau de David est un admirable morceau de peinture, avec de la lumière, avec de la gestuelle. C'est vraiment un très beau, et c'est déjà presque un tableau romantique, mais c'est une admirable composition. Sauf que au niveau du sujet, je pense que c'est un tableau raté. C'est un tableau qui n'atteint pas son objectif, qui est de montrer la vertu des anciens Romains. Et si nous revenons à Guyon Le Tiers, nous voyons que la composition est évidemment moins originale. Nous avons une sorte d'alignement, nous avons une espèce de rectitude, toutes les têtes sont à la même hauteur, ou presque, et nous avons une espèce de défilé. Sauf que au niveau de l'idée, je pense que Guyon Le Tiers triomphe largement, mais peut-être que David est un poète plus subtil et donne à son image une plus grande sensualité, on va dire, parce que ces femmes sont quand même très, très belles. Il y a comme ça deux partis pris, deux réussites, mais à mon avis, Guyon Le Tiers est un grand scénographe, mais je pense que le poète reste quand même David. Et c'est malheureusement pour cela qu'il est resté le chef du néoclassicisme, mais ça n'enlève évidemment aucune des qualités du peintre originaire de cette île que je découvre et qui m'enchante. Et je vous remercie de m'avoir invité à venir me raconter cette petite histoire. Merci, monsieur Georges Vigne, pour cet exposé. Je pense que ces deux interventions ont éveillé votre curiosité, que vous avez de nombreuses questions
Nous profitons pour saluer la présence du maire de Sainte-Anne, M. Baptiste. Je pense que c'est significatif. Et la parole est à l'auditoire. Oui. Est-ce qu'on a pu établir une cartographie de là où se trouvent toutes les œuvres de Guillaume du Lhermitière ? Et est-ce qu'on sait combien il y en a au total qui sont exposées ? Alors, c'est très bien ce que vous dites, parce que on s'aperçoit presque de jour en jour qu'on ne sait pas grand-chose de sa peinture. Le tableau de William Stone, on ne le connaissait pas avant qu'il soit mis en vente et qu'il soit acheté. Herminie chez les bergers, moi je l'ai vu quand il était encore chez à la galerie Talabardon et Gautier. Herminie chez les bergers, on ne connaissait pas. Alors, il est certain qu'il existe des gravures, certaines gravures de grands tableaux, mais par exemple, le nombre d'esquisses de la mort de Virginie, le nombre d'esquisses du Brutus, on n'en sait rien du tout. Je vous ai évoqué une esquisse du salon de 1801, on ne l'a pas retrouvée. Le premier salon de Guillaume Lethière, 1793, On ne connaît pas les tableaux. Donc, déjà, les tableaux de salon, on ne les a pas tous. Et vous voyez la confusion qui a été faite en voulant attribuer à Ingres le portrait de la jeune femme qui dessine. La jeune femme qui dessine, on sait qu'elle a figuré dans un salon, parce que c'est vraiment une jeune femme qui dessine. Donc, ça, c'est une chose. Les dessins, c'est encore plus compliqué. Dans le sens où on ne sait pas trop comme... Enfin, on sait comment il dessinait, mais son dessin a évolué, évidemment, avec les années. Donc, le dessin de Montauban, qui représente le jugement de Paris, est un dessin très fin, très, très délicat. C'est quasiment le tableau, mais en noir et blanc. Alors que je vous ai montré un dessin... au Louvre, qui est quand même beaucoup plus envolé, beaucoup plus tourmenté et beaucoup plus libre. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais justement, la connaissance d'un certain nombre de tableaux jalons de son œuvre vont permettre à d'autres tableaux de sortir. Parce que les gens possèdent un tableau chez eux. Il est de qui ? Il n'est pas toujours signé, d'ailleurs. Hein. Mais s'il est signé, c'est qui ça, Guillaume Lethière ? Il faut évidemment connaître l'artiste. Si vous avez un Renoir tout de suite, vous dites à toute la famille est au courant hein, tout de suite que vous avez un Renoir. Mais Guillaume Lethière, surtout dans le Berry, hein, surtout dans un château perdu dans le Berry, qu'est-ce que c'est que ce peintre ? Oh, cette espèce de truc, on voit une dame en train de se faire trucider. C'est pas simple. Sauf que, à force de marteler le nom de Guillaume Lethière, et je suis très militant hein, sur la reconnaissance de ce peintre, on va finir par l'accepter dans la cour des grands, et on va finir par faire émerger d'autres tableaux. J'ai des amis galeristes qui connaissent plusieurs collectionneurs possédant des portraits par Guillaume Lethière, qui sont intéressants, mais qui sont complètement inédits. Et on peut estimer les œuvres que nous connaissons, on peut les estimer à peine une cinquantaine de tableaux connus. Et des dessins, moi j'en connais une vingtaine, à peine. Mais c'est évidemment peu de choses par rapport à ce qu'il a dû faire. Alors, effectivement, hein, il fait des tableaux de 7 mètres de long. Hein. Ça prend du temps. Ça prend quand même infiniment de temps. Mais surtout quand il les réalise sur une trentaine d'années, comme la mort de Virginie, ça n'est pas un artiste lent, c'est un artiste très, très lent. C'est-à-dire qu'il revient périodiquement sur les mêmes œuvres. Ingres était également très lent, mais il a quand même fait 350 tableaux. Donc, tout ça est relatif. Mais le catalogue reste à faire, évidemment. On a eu des précurseurs, on a eu des prédécesseurs qui ont quand même bien amorcé le travail, mais on s'aperçoit encore avec le tableau de William Stone que,
qu'on redécouvre tous les jours des tableaux nouveaux. Donc, fouillez dans vos greniers. Oui. Le musée des Beaux-Arts de Saint-François. Oui, je voulais apporter une précision, c'est que, si vous voulez, depuis quelques années, les œuvres de Lethière en vente publique, le prix des œuvres de Lethière progresse très très vite, et que donc ça devrait effectivement provoquer une sortie de certain nombre d'œuvres des collections privées. On voit des tableaux, comme par exemple le Jugement de Paris, qui a été revendu, je crois, dans les 300 000 dollars. Il avait été vendu trois fois moins cher quelques années auparavant. Donc ça va dans le bon sens pour faire ressortir des œuvres. Je voudrais préciser qu'il y a à peine 10 ans, on trouvait encore sur des sites internet qui proposaient la vente d'œuvres de Lethière des œuvres à 5 000, 6 000 euros. C'est fini. On ne les trouve plus. D'ailleurs, ces sites ont disparu. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où ce travail a été fait au niveau de Geneviève Capi, de l'association des Amis de Guillaume Lethière, pour parler d'autres, et de Bruno Fufka aussi, qui d'ailleurs est décédé cette année, hein, qu'il est décédé. Oui. Il faut lui rendre hommage d'ailleurs, puisqu'il a fait partie de l'association des Amis de Guillaume Lethière. Il a été il a accompagné dans cette recherche, je crois qu'il a été le directeur de thèse de Geneviève Capi sur cette aventure. Donc on lui doit, on leur doit ce travail-là. Et je disais que dès lors que cet ouvrage, ou en tout cas ce travail, a été publié, en tout cas vulgarisé, automatiquement, toutes les personnes, comme tu le disais tout à l'heure, qui ont découvert dans leur grenier une œuvre qui semble être de Lethière, ces gens-là se sont empressés à les proposer. Il faut savoir que, comme il n'y a rien de dit, pas suffisamment en tout cas à l'heure où nous parlons sur cet artiste, on ne peut pas faire de statistiques. Sur même je nuancerai même les propos de mon ami sur la question de la quantité de ses œuvres. Ce qu'on connaît de lui, c'est une cinquantaine d'œuvres, effectivement, quelques esquisses, mais comme il n'y a pas eu pour le moment encore d'études approfondies, on ne peut pas parler, on ne peut pas chiffrer ce qu'il aurait produit. En tout cas, il y en a plus à l'étranger qui apparaissent à notre connaissance qu'en France. Mais je suis convaincu que dans des coins retirés de la France, il doit y en avoir. Il y a une raison pour le goût des Américains pour Guillaume Lethière, c'est qu'ils adorent le néoclassicisme. Oui. Et ils font souvent le pari d'acheter de la peinture anonyme, de la belle peinture anonyme, des tableaux de 3, 4 mètres, ça leur fait pas peur de ne pas savoir qui les a peints. Car nous sommes allés au musée Saint-Jean-Perse ce matin. Il y a une version du Philoctète de Guyon Lethière, apparemment pas signée, parce que à l'époque qui nous occupe, c'est-à-dire les années de la Révolution, de l'Empire, on signait pas beaucoup. Pour prendre un exemple, François Boucher, qui a été quand même un des grands peintres de Louis XV, n'a jamais signé, ou très peu signé, ses tableaux. Fragonard ne signait pas. Et c'est une habitude qu'on va prendre au XIXe siècle. Donc c'est très dur de retrouver des tableaux qui ne sont pas signés, évidemment, de les attribuer. Les Américains font ce pari. Ils ont acheté, il y a quelques années, un immense triomphe d'Auguste qui fait 4 mètres de large. Ils ne savent pas de qui c'est, mais ils savent qu'un jour, ils sauront de qui est ce triomphe d'Auguste. Donc, il faut évidemment réaliser le catalogue raisonné et passer probablement par des sites comme la Tribune de l'Art pour faire une annonce. Et on va découvrir des choses. On va découvrir des choses passionnantes. Mais il faut se rappeler aussi qu'il était professeur et que ça lui a pris beaucoup de temps. Il a dû faire comme Ingres,
qui lui-même a été directeur de la Villa Médicis, il a dû très peu peindre en tant que, à l'époque où il était directeur, parce qu'il devait s'occuper de la Villa Administration. Médicis. D'ailleurs, on peut souligner, je n'ai pas beaucoup parlé de cela, mais tout le monde, à l'unanimité, je dirais, tous les chroniqueurs, tous les critiques, à l'unanimité, parle de l'excellente gestion qu'il a eue après Suvé dans cette institution. C'est dire à quel point il s'est investi. Pardon ? Oui, oui, je l'ai précisé, puisqu'il est resté 10 ans. Il faut rappeler qu'on ne faisait que 5 à 6 ans à cette époque. Et celui qui a, je dirais, remporté, s'il fallait attribuer un prix, la palme, c'est Balthus, qui en a fait 12. Ouais. Ingres n'a fait qu'un seul mandat. Ouais. C'est dire l'intérêt de Guyon-le-Thiers par rapport à... Sur la question des signatures, je voulais insister sur quelque chose qui était un petit peu quelque chose d'assez habituel, d'assez récurrent, puisque j'ai connu ça à l'époque des Beaux-Arts, même récemment, c'est qu'il y a un principe qui veut qu'on ne signe pas des œuvres tant qu'elles n'ont pas une reconnaissance. Donc je me demande si ça ne vient pas du 19e siècle, parce que je me souviens que l'ensemble des enseignants nous interdisaient de signer nos travaux, nos peintures. On ne devait pas signer, c'était presque un signe de l'expression d'un ego. Oui, mais il fallait rester modeste, on ne signe pas. Non, au 18e siècle, ça n'est pas une question de modestie, c'est que le tableau, en général, est commandité par un noble, par un prince, par un roi, par un duc, un comte, et que ces gens-là, c'est pas qu'ils ne voulaient pas le faire savoir, mais ils ne voulaient pas avoir le nom des peintres sur les tableaux à l'intérieur. Il fallait que ça soit pas des publicités. Enfin bon, c'est avoir le nom comme ça. Sur du fromage, on peut mettre le nom. Sur un tableau, on ne doit pas mettre le nom. Donc, c'est pour ça que les tableaux commandés par Louis XV ou par Louis XVI, on ne les signait pas, parce que c'était pour le roi. C'était pour orner, évidemment, Versailles ou Fontainebleau ou Compiègne. Il ne fallait pas voir le nom de David, le nom de Boucher, le nom de Fragonard partout sur les tableaux. C'était quelque chose de relativement obscène. Par rapport aux grands commanditaires, les tableaux commandés par Madame du Barry, qui n'était pourtant qu'une maîtresse royale, ne sont jamais signés, les tableaux de Vien comme les tableaux de Fragonard. Donc il y a une raison, il y a une raison. Et en fait, Guyon-le-Thiers comme David sont des héritiers du XVIIIe siècle. Ils sont, ils sont formés à cette habitude de ne pas signer. Pensez au petit Mozart, je fais un parallèle avec autre chose. Mozart était un domestique de l'archevêque de Salzbourg, et il était hors de question qu'il joue ses œuvres sous son nom, oui, très bien, mais qu'il essaie de s'élever plus haut qu'il ne devait être. Il mangeait avec les domestiques, jamais à la table de l'archevêque. Bonsoir. Je pense que les Thiers jouent déjà dans la cour des grands. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire connaître les Thiers au niveau de la Caraïbe, dans des écoles d'art? Ah, ça, c'est une grave question. Vous savez, en 14 ans, j'ai essayé de faire connaître un peu plus Ingres, bon, qui est déjà un peintre connu, mais enfin, qui n'est pas toujours un peintre très aimé. C'est très difficile. En fait, c'est au peintre lui-même à se mettre en valeur. Et pour ça, il faut évidemment montrer ses œuvres. Le cas de notre artiste de ce soir est assez terrible, dans le sens où ses grandes œuvres sont des tableaux gigantesques. La mort de Virginie ou le Brutus font 7,50 m de large et 4,50 m de haut. Ce sont des tableaux extraordinairement lourds, extraordinairement grands, qui sont accrochés tous les deux dans la salle de nom au Louvre, mais qui sont quasiment indéplaçables. Alors on a dû les descendre une fois pour nettoyer les revers.
car ces tableaux sont inclinés, ils sont exposés inclinés, et la poussière passe derrière. On avait fait le constat, j'étais à l'époque documentaliste au Louvre, que le Corésus et Caliroé, qui est à peu près des mêmes dimensions que les tableaux de Guyon-Lethière, le Corésus et Caliroé est un tableau de Fragonard, avait été décroché et on avait extrait plus de 50 kilos de poussière derrière le tableau. C'est-à-dire qu'à force de recueillir de la poussière, ces tableaux risquent d'être crevés par la poussière. Et il faut de temps en temps, évidemment, les dépoussiérer. Mais bon, ce sont des tableaux quasiment intransportables. Les plus proches de vous sont quand même les tableaux, et les plus accessibles sont les tableaux américains, Providence, Williamstown, Dallas, qui ne sont pas des tableaux de très grand format, enfin de trop grand format. Donc ça, c'est accessible. Il faut évidemment créer des événements. Voilà, faire ce qu'on fait aujourd'hui, j'allais le dire. Ce qu'on fait aujourd'hui, faire une petite publication, on ne l'a pas dit, mais... Mm-hmm. Oui, il y a un ouvrage... Vous allez repartir avec un petit livre, très joli, que j'ai déjà feuilleté. Et voilà, et nous envisageons, et ça c'est une chose qui n'est plus au niveau du rêve, hein, mais de pouvoir faire venir des tableaux ici et de les exposer en Guadeloupe, évidemment. Parce que ça n'est pas parce qu'il est d'origine guadeloupéenne, c'est parce que ça appartient à l'histoire mondiale de l'art. Il appartient à l'histoire, mais il appartient aussi à l'histoire de la Guadeloupe. Donc, ça serait intéressant, évidemment, pas forcément 70 tableaux, hein, puisque nous n'en avons repéré qu'environ 50, mais de montrer quelques échantillons de son talent, tableaux, portraits, scènes historiques. Le Philoctète, vous en avez déjà un. Allez à Saint-Jean-Perse, vous allez voir un assez joli tableau qu'il faudrait nettoyer, mais qui est très, très intéressant, parce que un peu différent de la couverture de ce livre, et qui est antérieur, puisqu'il date de 88, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, on découvre tous les jours des choses, mais il faut évidemment montrer ses œuvres. Le Louvre ne le fait pas bien, mais ça c'est dommage. Il y a madame qui voudrait intervenir. Oui, bonsoir. Donc, Laure Goblet, directrice du musée Saint-Jean-Perse. Donc, je suis heureuse que vous soyez passée au musée ce matin. Mais on est passé, on était ravis. Voilà. C'est une maison donc, magnifique. Donc, j'invite tout le monde à venir au musée, qui en plus est gratuit actuellement, donc pour pouvoir découvrir ou revoir le petit Lethière que nous avons au rez-de-chaussée. Oui, il n'est pas musée. Petit. Hein. Par rapport au très grand, bien oh, sûr. Bah, oui, bah, oui, mais enfin, il fait 1,50 m. Oui, hein, oui, oui, tout à fait. Et en fait, justement, en plus, il a fait l'objet d'une restauration donc, de son châssis et de son support l'an dernier. C'est une première phase de restauration, puisque comme vous venez de l'indiquer, la surface est très sombre, donc il va falloir effectivement enlever le vernis, le nettoyer dans les années qui viennent assez rapidement. Donc il est visible. Concernant la géolocalisation des œuvres de Lethière, en tout cas sur le territoire français, j'ai bon espoir qu'avec le récollement décennal, donc cette obligation qu'ont tous les musées, pardonnez-moi, de France, de province, et avec le versement dans la base Joconde des collections, qu'on puisse justement faire émerger ces œuvres qui parfois, pour les responsables de collection même, ne semblent pas d'être d'une grande importance. Donc pour le musée Schœlcher, c'est déjà le cas. Mathieu Dussauge a travaillé justement au versement de sa base sur la base Joconde. Donc vous allez pouvoir sur Internet déjà trouver les collections Lethière qui sont en Guadeloupe, qui seront bientôt visibles à la réouverture du musée Schœlcher. Donc voilà, déjà au niveau français, mais même guadeloupéen, nous travaillons tout doucement à permettre la valorisation du travail de Lethière, car on est dans nos collections pour des raisons climatiques ou techniques, pas forcément visibles actuellement, mais nous avons des collections et nous allons tout faire bien sûr dans les années à venir pour les valoriser. Voilà, donc c'était mon petit mot. Je crois que M. Fillot également aimerait prendre le micro. Je voulais préciser au musée des Beaux-Arts de Saint-François, vous avez un grand tableau
Voilà. Bon, alors, donc je voulais vous préciser qu'au musée des Beaux-Arts de Saint-François, vous avez un grand tableau de Guillaume Le Thiers qui représente Lady Hamilton, qu'il a peint à la fin de son séjour à Rome en 1791, et deux dessins de Le Thiers, dont un qui est intéressant parce que c'est son premier projet pour un tableau de grand format qu'il avait prévu de faire dans le même esprit que le Brutus ou la mort de Virginie, et qui représente la mort de César. Voilà. Et donc, vous avez ces œuvres au musée des Beaux-Arts de Saint-François. Vous avez également une dizaine d'œuvres d'élèves de Le Thiers, même plus que ça, une quinzaine, je dirais, et notamment quatre tableaux de Jean-Baptiste Gibert, guadeloupéen aussi, donc que M. Saint-Cily a cité tout à l'heure, et qui a été pris de Rome en paysage historique. Et vous avez, tout à l'heure on parlait des tableaux non répertoriés de Le Thiers, vous avez une gravure réalisée par un des élèves de Le Thiers qui représente un tableau dont on a malheureusement perdu la trace. Voilà. Donc je vous invite à venir découvrir Le Thiers au musée de Saint-François. Merci. C'est un tableau de Saint-François. Juste une petite précision à mon tour. Souvenez-vous de comment l'œuvre de Camille Claudel est ressortie. Ça faisait 20 ans qu'un certain nombre de gens se battaient. Bon, il y a eu le livre d'Anne Delbé, pièce de théâtre, féministe, provocatrice, car au départ, c'est une pièce de théâtre. Tous les personnages sont représentés par des actrices, y compris Rodin, et tout le monde était nu. Bon, déjà, un sujet très provocateur. Il y a eu un premier, un deuxième catalogue raisonné. Camille Claudel ne sortait pas. Et pourtant, il y avait une salle Camille Claudel depuis la donation Paul Claudel au musée Rodin. Et moi, je me souviens enfant, ma mère me traînait au musée Rodin, parce que c'était à côté de chez ma grand-mère, et elle disait, on passe, hein, c'est une amie de Rodin. Allez, on passe. Il a fallu, évidemment, Isabelle Adjani et Gérard Depardieu dans un film. Donc, nous avons l'acteur idéal pour ça. Nous allons faire le grand voyage de Guillaume Le Thiers de Pointe-à-Pitre à Paris, de Paris à Rome et de Rome à Paris. C'est très étrange, la revalorisation des artistes. Il y a un artiste lyonnais au XIXe siècle qui s'appelle Louis-Jean Maux et qui a fait une série de tableaux absolument délirantes, puisqu'il y a une vingtaine de tableaux qui représentent c'est un cycle de peinture, le poème de l'âme, et ça va de la naissance à la mort et même à la résurrection. Ce sont des tableaux gigantesques, c'est magnifique. Et Louis-Jean Maux, qui est élève d'Ingres, n'est toujours pas reconnu aujourd'hui. Il y a comme ça des modes. La semaine dernière, j'ai été à Paris voir l'exposition Venise, et en même temps, j'en ai profité pour aller voir l'exposition Miro. Je peux vous dire que Miro, c'est un artiste très daté, et c'est pourtant très fréquenté. C'est pas un artiste qui m'intéresse beaucoup, je trouve que ça a très mal vieilli. Eh bien, il y avait deux fois plus de personnes à l'exposition Miro qu'à l'exposition Venise. Et pourtant, Venise, c'est quand même un endroit où on va pour écouter la mandoline. Voilà. J'ai casé ma mandoline. Mais bon, voilà. Les artistes, alors, il faut être patient. Il faut être, évidemment, attentif. Mais il ne faut pas essayer de provoquer les choses. Il y a un assez beau peintre de la région de Montauban qui s'appelait Marcel Lenoir. C'était pas son vrai nom, c'était un nom d'emprunt. Mais Marcel Lenoir qui a suivi tous les mouvements fauves, cubistes, symbolistes, hein, a été alpagué, si on peut dire. Sa mémoire a été prise par un collectionneur et sa femme, qui ont voulu prouver par A plus B qu'il était plus fort que Picasso, qu'il était plus fort que Giacometti, qu'il était plus fort que... Évidemment, ces propos ridicules ont fait que cet artiste est aujourd'hui
prisé des amateurs parce que les gens connaissent son talent, mais évidemment pas reconnu au niveau des musées. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces guignols qui essaient de nous persuader que... parce qu'ils disent très simplement, Marcel Lenoir a tout appris à Picasso. Donc, oui, bon, très bien. Mais quand j'ai fait une exposition sur l'artiste à Montauban, j'ai dit, quels sont les textes, les preuves, les sources ? Dites-moi, pourquoi vous prétendez que Nicolas de Staël, au début de sa carrière, parce que Marcel Lenoir a vécu assez longtemps, suivait Marcel Lenoir dans la rue par respect ? Ah oui, et comment on le sait ? Ah ben on le sait. Ah ben oui. Voilà. Donc vous avez le cas de Camille Claudel qui met des années, et puis il faut un film People pour révéler le talent. Vous avez alors les artistes qui sont absolument indétrônables. Hein. Vous avez Monet, vous avez Gauguin, vous avez Van Gogh, vous avez Vermeer. Et je peux vous dire, puisque nous avons des conservateurs de musées, essayez un jour de faire une exposition qui s'appellerait Monet en Égypte avec sa copine Marie-Antoinette. Là, vous auriez le monde entier dans votre musée. Parce que l'égyptologie, ça marche. Monet, ça marche. Marie-Antoinette, du tonnerre. Et voilà. Si on fait des événements people, ça peut marcher, mais ça peut aussi se casser la figure. C'est comme ça, la vie des... Et puis mon petit Marcel Lenoir, et ben peut-être que dans deux siècles, on dira, mais finalement, c'est un grand artiste. Fort heureusement, le musée de Montauban a fait pratiquement le plein en Marcel Lenoir, donc il n'y a pas de question pour ça. Mais il est certain que s'il y a encore des œuvres à acquérir, ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pas les acquérir. En tout cas, même si les prix ont augmenté, Guyon Lethière reste quand même, par rapport à David ou par rapport à Ingres, encore très abordable. Alors abordons-le. Alors il faut faire attention aux copies aussi, hein, oui. Parce que sur le net, par exemple, il y a des sites qui proposent des copies extrêmement bien faites. Hein, déjà, la plupart des peintres avaient leurs copistes, hein, ils s'installaient au Louvre carrément à reprendre des David, des Ingres, de la quoi j'ai vu un Napoléon, un Lucien Bonaparte inspiré de l'œuvre de Lethière qui circule sur le net, mais bon, c'est une copie. Alors il faut une expertise aussi des œuvres, puisque maintenant que Lethière effectivement va prendre de l'ampleur, on va voir tout et parfois n'importe quoi aussi. Mais donc, c'est bien aussi de n'importe quoi, ça permet de comprendre le tout. Absolument. Voilà. J'allais dire, ça serait intéressant que les institutions, les collectivités, nos élus, nos politiques, oui, s'intéressent justement à ce volet-là, de façon à ce que soit valorisé cet artiste. Donc c'est bien que notre maire de Sainte-Anne soit là. Il était présent lors de l'inauguration de l'œuvre en hommage à Lethière. Mais je pense qu'il y a des événements qu'il faut faire. Il faut, quand on parle de tourisme culturel, j'entends souvent cela dans des discours en Guadeloupe, eh bien voilà un volet, par exemple, où des produits peuvent être réalisés autour de Lethière et être proposés, plutôt que toujours les sempiternels, les éléments du folklore sur lesquels on insiste pour proposer aux touristes. Les touristes sont de plus en plus cultivés. Avant, on avait des touristes qui venaient pour juste aller sur le sable et les cocotiers. Oui, oui. Maintenant, les touristes deviennent exigeants. Ils ont envie de découvrir, ils veulent de la singularité, ils veulent de l'originalité, ils veulent quelque chose d'authentique. Et c'est à nous à saisir cela pour leur proposer justement l'authentique. Ce que nous avons d'unique, qu'on ne trouvera pas ailleurs. Ce n'est pas normal aujourd'hui que Lethière ne soit pas vendeur en Guadeloupe. Premièrement, on arriverait effectivement à permettre sa reconnaissance encore plus largement au niveau mondial. Mais en plus, dans l'économie touristique, ça devient un élément moteur intéressant. Donc j'invite nos élus de la culture,
nos élus, tout court, à prendre véritablement cela avec la même passion que moi, je le fais de façon bénévole. En tout cas, je découvre le dépliant sur le musée de Saint-François. Il y a une chose qui est très, très importante, c'est de valoriser, quand on est conservateur, de faire en sorte de valoriser son musée, parce que je vois des choses absolument incroyables. On ne sait pas que ça existe, ça, tous ces tableaux. Et je suis impressionné par le Lordon, par le Gibert, qui est un très, très joli peintre. Il faut de temps en temps quand même se dire en tant que conservateur au service des musées de France, j'avais envie que mes confrères et mes consoeurs essaient de déterminer les jocondes de leur musée déjà, les deux ou trois œuvres, quand on est un grand musée peut-être cinq, bon, qui méritent d'être connues de par le monde. Bon, vous me direz, le musée de Tours ne fait pas cette démarche. Le musée de Tours, qui pourrait me dire ce que contient le musée de Tours, ben, il conserve quand même deux tableaux de Mantegna qui sont absolument exceptionnels. Eh bien, ils ne font même pas cette démarche de faire connaître, pas leur collection, les jocondes de leur collection. C'est-à-dire les têtes d'affiches, les têtes de gondole, vous voyez, pour parler supermarché. Mmh. Il y a toujours un tableau phare dans un musée ou une œuvre phare hein, pour un musée évidemment d'art et tradition populaire, ça sera peut-être pas un tableau, mais de déterminer quelles sont les œuvres majeures que les gens peuvent s'attendre à voir en visitant le musée et évidemment susciter l'attrait en disant mais je veux voir là. Je veux voir la belle dame qui est là sur le dépliant, là. Je veux la voir dans le musée. Mais il faut évidemment diffuser les images. Et c'est par ce travail-là de connaissance des musées. Et on parlait de la page Joconde tout à l'heure. Je peux vous dire que je mettrai au pilori les musées de Marseille, de Grenoble, de Rouen. Il n'y a quasiment rien sur la page Joconde, et pratiquement rien sur le net, en tout cas pour Marseille. Grenoble aussi, c'est pas mal. Donc, ça n'est pas normal que ce patrimoine ne soit pas connu. Et peut-être que ici, évidemment, dans une île, vous avez plus de mal, et loin de la métropole, vous avez plus de mal à communiquer sur vos collections. Mais justement, par Internet, vous devriez pouvoir y arriver. C'est quand même pas normal que les vacanciers qui viennent voir les cocotiers ne puissent pas aller dans vos musées. et en même temps, ils sont tellement jolis et tellement riches. Enfin bon, à Saint-Jean-de-Perse, il y a deux étages de fermés, mais on reviendra. On reviendra. Oui, mais je serai plus là, moi. Et j'enrage. Bonsoir. Encore. C'est nous prenons une dernière question. Ben, c'est pour moi une très très grande joie que d'avoir été ici ce soir. Et je tiens à exprimer ma gratitude profonde à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette soirée, à cet exposé magistral. Et je ne peux pas mettre l'accent sur un des conférenciers en particulier, mais j'avoue que Richard Saint-Cilly, pour moi, a su trouver les mots intégrés pour susciter chez moi un intérêt, par exemple, à promouvoir la conférence de jeudi à Basse-Terre, parce que ceux qui sont ici ont l'air de s'y connaître en particulièrement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui gagneraient à venir écouter cette conférence pour découvrir, pour chercher à découvrir le tiers, certes, mais pour tout simplement, comme vous dites, acquérir un peu de cette culture générale qui fait partie, dont fait partie l'art plastique. Et je vous remercie vraiment profondément. C'est nous qui vous remercions. Bonsoir. Merci. Et à jeudi. Jeudi, je me déplacerai, je viendrai à Basse-Terre encore, parce que ça vaut la peine.
Merci beaucoup. Merci, chers collègues du CCE. Donc, on remercie nos deux invités, M. Saint-Cily et M. Vigne. Je vous demande encore de les applaudir. Donc, deuxième conférence jeudi à Basse-Terre, effectivement. Et nous tenons aussi à féliciter le travail de l'ensemble des membres du CCE, et particulièrement la commission culture, car ils n'ont pas aménagé leur effort, notamment pour préparer cette soirée, mais aussi pour, je vous demande d'être attentif, car bientôt vous allez voir la parution de cet ouvrage, Guillaume Le Thiers, une fulgurance trop longtemps oubliée. C'est un travail, il y a eu des heures de lecture, de relecture autour de l'accompagnement de M. Saint-Cily. Alors je crois que, avec le Conseil régional SSE, nous pouvons clôturer cette soirée. On vous invite à prendre une petite collation. Merci beaucoup et merci d'avoir répondu à l'invitation.